Donc celle-là, je la coupe. Celle-là, je la coupe ici. Celle-là, tu vois, elle commence à s'abîmer. Ouais. Et je la coupe. Et du coup, après, je remonte pour faire les gourmands. Bon, ça, après, chacun mène sa vie comme il le veut. Hop, hop, hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais un peu détricoter le travail. Et puis... Voilà, tu vois déjà, ça a plus fière allure. Celle-là, je vais la replacer juste pour être maintenue comme ça. Celle-là, c'est pareil. Je vais la replacer dans la ficelle. Et je fais attention aux fleurs pour que la tomate puisse se déplacer, puisse pousser pardon, facilement. Voilà. Une fois que je suis là, après, je redéshabille. Donc je regarde ce qu'il y a encore. Qui peut être abîmé. Qui sert à rien en réalité. Donc même les vieilles feuilles, tu vois. Et puis si tu as des tomates qui sont là, je coupe les feuilles qui sont au-dessus pour laisser du soleil dessus, tu vois. Donc celle-là. Il y a trop de feuilles de toute façon par rapport à ce que la plante est capable de faire. C'est-à-dire que dans la nature, l'objectif c'est pas de faire un maximum de tomates dans la nature. Dans la nature, l'objectif c'est d'en avoir quelques-unes pour faire des graines et puis que ça puisse se reproduire, c'est tout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir plutôt une belle récolte. Et du coup, l'objectif c'est de mettre le maximum de possibilités aux fleurs de se polliniser. Et puis... voilà, quand tu as des feuilles. C'est parti, ça filme. Donc, vous venez de voir les bons conseils d'Arnaud Travers, des pépinières Travers. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui sur ma chaîne, puisque ça fait quelques années qu'il m'envoie régulièrement des plantes et surtout des bons conseils. Et aujourd'hui, il m'a super gentiment invité à visiter son potager personnel, son petit potager à lui, chez lui. Et on va faire 2-3 trucs. Et voilà, je pense qu'il y a plein de petits conseils issus de son expérience et de ses connaissances à choper. Donc c'est parti. Je vous préviens tout de suite, je suis hyper inspirée. Là, je regarde partout. Je pourrais pas faire comme chez lui parce que son tunnel, il fait la taille de mon jardin. Mais en tout cas, c'est très très inspirant et on a plein de super belles choses à voir. Donc c'est parti. C'est quoi ? Ça, c'est une passiflore, ouais. Donc qui fait des fruits de la passion. Mais la plante, elle est totalement non gélive. Elle donc, à moins 20, sans problème. Même en montagne, tu la mets presque. Exactement. Okay. La seule différence qu'il faut savoir par rapport à une passiflore normale, c'est que toute la partie aérienne va sécher. Oui. Elle va repartir tous les ans du pied. Du pied. Okay. Donc, moi, je la maintiens en pot parce qu'elle est tellement vivace que les racines vont pousser, ça peut drageonner. Ah oui, carrément. Donc, il faut ouais. la contenir. Il faut la contenir. Par contre, elle m'a fait ça dans l'année. C'est un plant qui est un petit plant. Ça m'a fait ça dans l'année. Et du coup... Après, elle va faire, l'année prochaine, elle fera ses premiers fruits. Et ça va être des fruits qui vont être de cette taille-là, à peu près assez ronds, verts. Ils ne vont pas devenir oranges comme les fruits de la passion qu'on a l'habitude d'avoir chez le marchand. Par contre, c'est des fruits qui sont pleins au niveau de la chair, très acidulés, très parfumés, un peu comme un bonbon anglais. Moi, franchement, j'adore. Et puis en plus, du coup, ça gèle pas, on peut l'avoir chez soi. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Impeccable, exactement. Vous avez vu cette toile? Moi, je sais pas à quoi ça sert. Je crois qu'Arnaud va nous dire. En réalité, ici, je voulais pas avoir une trop grosse contrainte de temps parce que malgré tout, je travaille pas mal. Et donc, l'objectif, c'est de faire un potager de feignants, si je puis dire. Donc, plutôt que d'avoir à passer la grelinette sur toute la surface chaque hiver pour pouvoir réaérer le sol, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir une bâche au sol où j'ai juste fait une croix aux endroits où je veux planter. Et ça veut dire que chaque hiver, avant de planter ou en début de printemps, je prends avec une petite bêche et je remue la zone où je vais planter, où je remélange avec du compost, un petit peu de camp de broyer. Si c'est des tomates, je mets une poignée de cendres de bois. Et puis, donc, j'ai juste localisé comme ça, mais le gros intérêt, c'est que j'ai juste à désherber au pied de la plante. Tout le reste, j'ai pas besoin de désherber. Et donc, c'est quand même beaucoup plus agréable pour moi qui n'ai pas trop de temps. J'arrive, ça reste propre. Voilà.
Et ça a l'air de fonctionner parce que les cultures, ça pousse. Parce que là, vous voyez, on a effectivement des mauvaises herbes. Alors imagine, c'est vrai, si t'as pas la bâche, tu peux en avoir partout. Là, il y a un petit truc fun, le petit pied de fraise en fait. Ça doit être un stolon de la maman là, qui est venu s'implanter là, tout seul, tranquille. Voilà. C'est normal, les fraisiers se multiplient très facilement. Donc effectivement, ce système de bâche, ça permet d'éviter d'avoir des mauvaises herbes. Quand on n'a pas beaucoup de temps, ça peut être toujours une très très bonne solution. Et regardez l'œillet d'Inde au pied des tomates, ça c'est ultra connu. Pourquoi t'as planté dans des bacs, Arnaud? Alors, j'ai planté dans les bacs parce que je voulais travailler à hauteur, par fainéantise, hein, uniquement. Parce que là, c'est tellement facile, on fait ce qu'on veut et j'ai l'impression de jouer aux petites voitures parce que c'est à hauteur, quoi, c'est simple. Et puis, le gros intérêt, c'est que ce bac-là, il a été construit sur place, on l'a construit sur place uniquement pour ici. Donc, je l'ai rempli avec. Il va jusqu'en bas, la terre va jusqu'en bas. On a d'abord une couche, j'ai mis une couche de rondins de bois, hein, arbre, pas conifère. J'ai mis une couche de rondins de bois pour faire un système d'éponge au fond. Et puis après, j'ai alterné en couches, en lasagne, entre des brindilles, des feuilles vertes, de la tonte de pelouse, du terreau et de la terre aussi, puisque le terreau c'est végétal, la terre c'est minérale. Il faut aussi amener de la terre minérale. Donc j'ai alterné plusieurs couches jusqu'en haut, ce qui fait que on a un système de couches en lasagne, mais en hauteur, et c'est beaucoup plus facile. Et du coup, c'est un bon terreau qui est sur le dessus. Et au fur et à mesure que ça pousse dedans, en été, le terreau finit par baisser. C'est l'avantage de la terre végétale, c'est qu'elle est très productive, si je puis dire. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, elle se tasse au fur et à mesure, et puis elle est mangée par les petites bêtes du sol, hein, qui le transforment en matière organique. Donc là, j'ai remis une couche de terreau et terre végétale par-dessus pour rehausser le bac. Et puis le bac, on voit sur le bord, j'ai mis deux couches de plastique pour étanchéifier le bac en bois, pour éviter que le bois ne pourrisse. Je pense que c'est mieux de mettre un plastique de soubassement qui est beaucoup plus épais avec des alvéoles, ça sera encore plus solide dans le temps. J'espère que ça va pas se craquer trop vite, parce que le but du jeu, c'est que ça tienne le plus longtemps possible. Voilà, et puis là, il y a une petite bête là ici qui est marrante, c'est cette plante-là, là, c'est une condimentaire, c'est un thym africain en été. Ah ouais? Ouais. Et si on respire. Ah ouais! Ça sent le thym. Alors effectivement, c'est la première année que je la cultive, elle est là-dessous. Normalement, elle sera assez gélive, elle devrait être gélive, je ne sais pas, je vais voir. Ça va peut-être tenir. Mais c'est surprenant et ça, on peut la mettre en cuisine, quoi. On met la feuille carrément en cuisine. Et tu retrouves les arômes du thym. Exactement. Oh là là. Voilà. Alors, c'est évidemment, mais c'est, non, mais c'est un africain. Hein, si jamais, voilà, ça se tente. Ça, ce serait de l'oignon poireau, de l'oignon qui aurait un petit peu l'allure du poireau. C'est assez amusant. Et vous avez vu ce petit pied de vigne? Alors, je m'y connais pas beaucoup en vigne. Je l'avais estimé à 15 ans. Et bien, en fait, il a 3 ans. Et regardez-moi toutes ces grappes. À l'abri des guêpes et des oiseaux. T'es allé nous chercher des graines de coriandre? Oui, c'est des graines que j'ai récolté cette année là. Je vais te montrer comment on fait. Donc en été, le coriandre, il a deux saisons de pousse. On peut le semer en sortie d'hiver, au printemps. Il va pousser, il va faire ses feuilles. Et puis avec la chaleur qui arrive, au fur et à mesure, il va se mettre à fleur assez rapidement. On va avoir à peine le temps de récupérer ses feuilles. C'est surtout pour le laisser pousser et puis le monter à fleur, donc à graines. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je prends un filet comme pour les raisins. Je vais te montrer tout à l'heure. Et puis, quand les premières graines apparaissent, hop, je mets le filet autour de la plante avec les graines. Je ferme, comme ça, je sais que même si elles tombent, elles tomberont dans le filet. Et puis, la plante, après, une fois qu'on est arrivé, on va dire, juillet, elle sèche quasiment complètement. Il reste les graines qui sont là, donc j'arrache le pied. Et puis, du coup, j'ai juste à secouer les graines pour les faire tomber. C'est ce qui est le cas ici. Et après ça, soit on peut les utiliser dans un moulin à poivre. Alors ce que je fais, c'est que je souffle
dessus comme ça pour faire partir. Voilà les. Ah oui, on les voit. Ouais. Voilà, c'est ces petites feuilles. Ouais. Voilà, donc ça je le fais plusieurs fois pour obtenir de la graine quasiment pure, si je puis dire. Et puis ça, moi j'en mets dans un moulin à poivre pour s'en servir. Donc ça peut durer, là tu peux le garder 2 ans dans ton moulin à poivre. Ah oui, je m'en sers pour des recettes d'ailleurs. Ouais. Voilà, et puis sinon ça sert aussi à semer à nouveau. À refaire et puis, ton du, semis. Du coup, ouais. Je refais un semis en fin août. Qui lui va se lever, donc il va lever en septembre, octobre. Et comme les nuits sont de plus en plus fraîches et que la température baisse de plus en plus, là par contre on va pouvoir le cultiver vraiment pour ses feuilles. Pour ses feuilles, parce que j'adore les feuilles de coriandre aussi. Ah bah oui, bah et c'est frustrant quand ça monte à graines et qu'on n'a plus les bonnes feuilles. Bah oui, mais moi au départ j'ai cultivé que au printemps, puis du coup j'avais du mal à récolter les feuilles. Et puis j'en fais 2 fois, une fois pour les graines et une fois pour les feuilles à l'automne. Donc ça c'est la bonne astuce que je vais mettre Exactement. En place. Voilà. Donc là, en été, on a un plant de coriandre que j'ai semé au moment où j'ai planté mon pied de tomate, en même temps, parce que là, on est au bord de l'allée, et du coup, je mets souvent 2 plantes ensemble, parce qu'elles peuvent largement se débrouiller, donc c'est soit du basilic, soit parfois même une salade, ou du coriandre comme ça. Tout ce qui est œillet d'Inde, je les mets plus à l'intérieur, parce qu'il y a moins de lumière, là, elles peuvent plus... Et puis voilà, donc là, on est arrivé en fin de saison de printemps. Du coup, la plante est complètement sèche, on voit qu'il y a les graines, et donc... Là, je le fais là, mais on peut le faire même avant que la plante soit sèche. Ce que je fais, c'est que je les prends pour les mettre dans un filet. Voilà, comme ça. Hop. Et donc là, la plante, elle est sèche, on pourrait la récolter de suite. Mais si elle était encore verte et que les grains n'étaient pas mûrs, en faisant comme ça, on enferme les grains dans le filet. Et ce qui fait qu'on peut laisser la plante tranquillement sécher. Les grains, même s'ils tombent, ils tombent dans le filet, on peut les récupérer. Donc là, par exemple, voilà, je veux arracher mon pied. Voilà, je l'arrache. Et ce qui fait que je peux trimballer avec, puisque j'ai les grains qui tu sont dans le filet. Tu ne vas pas faire tes graines partout, voilà. Exactement. Le persil, ici on est dans le coin des aromatiques en bac, et on voit que le persil, bah, il est arrivé au bout, parce qu'un persil, ça a une durée de vie de 2 ans max. Ouais. C'est-à-dire qu'on le cultive pendant 2 ans, récolte les feuilles. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on coupe. On laisse déshydrater ou on met au congélateur tout de suite. Alors si on met au congélateur, on coupe au ciseau les morceaux, mais on ne hache pas. Si tu haches des feuilles au hachoir, ça les broie et ça se conserve nettement moins bien que si c'est coupé au ciseau proprement. Particulièrement okay. Si on met les feuilles dans de l'huile, par exemple, si on veut faire du basilic dans l'huile, il faut absolument que ça soit coupé au ciseau. Bref, je dirais-il que le persil, c'est le cas là, au bout de 2 ans, il ne donne plus rien, il est mort. Donc l'intérêt de le mettre en bac, c'est ce que je fais moi, je mets en bac, c'est que maintenant que c'est fini, je vais pouvoir le remplacer, je vais pouvoir retirer mon persil et en planter un nouveau, et c'est reparti pour 2 ans. Et c'est facile. Et là, l'intérêt, c'est que je suis tout au goutte à goutte, comme ça, il n'y a vraiment pas de perte d'eau. Il y a un arrosage que tu peux faire la nuit ou au petit matin, peu d'eau, et ça marche à 100% de plan d'eau qui est utilisé dans le bac, quoi. Oui, donc t'hésites pas à tailler plusieurs fois quoi. Ah oui. Ouais. Et du coup, au contraire, si tu laisses trop vieillir, tu vois là cette branche là par exemple, ouais. Donc, je vais la cueillir avec l'ongle, voilà. Donc cette branche là, je retire les feuilles qui sont mauvaises. Et puis tout simplement, là on voit que c'est en train de repartir de partout. Donc là, il est grand temps de la cueillir, parce que sinon on va voir les feuilles jeunes et tendres sur les côtés, ça va être plus difficile à récupérer. Ouais. Alors que là, c'est un petit peu tard, mais on peut encore tout simplement, voilà. Passer le pouce. Et on passe, et là on récupère toutes les feuilles. Et moi après, ces feuilles-là, si je veux pouvoir les congeler, je les coupe au ciseau, proprement. Ouais. Je les étale sur un plateau, je mets le plateau au congélateur, et une fois que toutes les petites feuilles sont congelées, je les mets dans un sac plastique et là, je peux les ranger au congélateur. Ouais, pas directement dans le sac. Non, pas directement. D'abord sur le plateau. Ouais. Oui, parce que comme ça, les feuilles se congèlent et elles ne se touchent pas entre elles et ça ne fait pas un bloc. Ouais, j'ai connu le bloc. Là, je vous montre le bac qui a été bâti sur le même principe et on voit comme le niveau du terreau a baissé. Enfin, du terreau, le niveau de l'ensemble a baissé. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on montrait les grands bacs qui étaient dans le tunnel. Alors, parlons du thym. Oui, ça c'est le thym luisant. Pour moi, c'est le meilleur thym parce que il dure vraiment bien dans le temps. Souvent, le thym, au bout de 2-3 ans, il se dégarnit, il devient tout sec et puis il n'est pas très productif. Celui-là, il est assez étalé, il a un port assez étalé. Il repousse bien par-dessus et si on le taille plusieurs fois, il repousse très bien derrière. En plus, au niveau parfum, je trouve qu'il y a un parfum, certes, qui est prononcé, mais qui n'est pas trop fort, qui est très agréable, qui est très doux. Et du coup, moi je le cultive en bac. Là cette année, ça doit faire la 4e année qu'il est dans le bac.
Je l'ai évidemment cueilli plusieurs fois, il commence à s'épuiser. Donc j'ai pris quelques rameaux qui étaient racinés dans le bac, je les ai mis dans ces pots-là et je les ai mis à raciner dans le pot pour avoir des plants prêts à remplacer le vieux qui ne donne plus grand-chose. Voilà le vieux thym. Vous voyez, c'est sec. Il y a plein de parties qui sont pas chouettes là. Et effectivement, c'est une bonne idée d'avoir marcoté pour venir remplacer. Comme ça, tu n'es même pas obligé de racheter un pied. Tu as fait avec ton pied et tu vas lui donner un coup de jeune. Tu te débarrasses de l'ancien et tu remets le nouveau. On se met sur l'herbe sèche ou... Ouais, l'herbe verte, c'est plus joli, non? On va se mettre dans l'herbe, les gars, parce qu'on a une table blanche sinon et ça va poser des problèmes à la caméra. Donc ça, c'est nos graines de coriandre, graines maison. Et qu'est-ce que tu as dans ton pot? C'est quoi comme mélange? C'est ton mélange, ton fameux mélange que tu mets dans les bacs? Oui, alors justement, on va en parler. Ah. Ce que je fais, c'est que j'ai... Alors ça, c'est du terreau, vraiment du terreau simple. Alors moi, c'est des déchets de pépinière en réalité que je récupère. Alors je les ai triés, nettoyés. Et puis ça, c'est un mélange de terreau, de copeaux de bois, de compost et de terre minérale aussi. Ça, c'est un terreau de plantation que par contre j'ai acheté et qui est fait aussi avec du compost de ville. C'est pour ça qu'on peut récupérer parfois des petits bouts de plastique. Des petits déchets. Bon, ouais. Par contre, je voulais l'essayer, je voulais voir comment ça faisait, parce que si on met un terreau qui est très léger comme ça, ça pousse beaucoup, mais ça dure pas longtemps, parce qu'il faut rajouter du compost. Alors du compost, j'en ai, je le mélange avec. Là, l'intérêt, c'est qu'il y avait un peu de tout ensemble. Bon, je vais le tester. Ouais. Il y avait déjà du terreau, je sais pas trop ce que c'est. Ce qu'on peut faire, c'est le ressortir pour mélanger. Pour faire un mélange, ouais. Comme ça, je vais mélanger carrément dans celui-là. Ah bah oui, à la surface, et puis on récupère. Voilà. Bon, là, j'avais un peu arrosé pour qu'il soit pas trop sec dans le fond. Et puis du coup, on va mélanger. L'eau est assez sec par contre. Ouais, presque de la cendre. Voilà. Je remets ça dedans. Alors ce que je fais, je vais aller chercher. J'en profite aussi pour mettre de l'engrais à base de fumier de poule. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ouais, ça marche. J'ai remis du mélange, ouais. Je vais remélanger un peu là-dedans. Voilà, ce que je fais, je mets toujours une poignée, une bonne poignée. Alors ça, c'est ce que je vais appeler l'engrais de fond, si je puis dire, qui va me permettre de donner à manger sur au moins l'année, voire plus. Ouais, sur le long terme, quoi. Voilà, et puis ce que je rajoute aussi, c'est de la corne broyée. Pourquoi de la corne broyée? Parce que la corne broyée, ça va ajouter beaucoup d'azote. Là, on va semer les graines de coriandre, mais on va les semer de fin d'été pour qu'ils poussent à l'automne, qu'ils aient le temps de pousser quand les nuits sont plus fraîches, quand les températures sont plus fraîches, pour qu'elles aient le temps de bien se développer au niveau de la feuille, pour cueillir les feuilles avant l'hiver. Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir de la feuille, de la verdure, du vert. Donc, je mets de la corne broyée pour ajouter de l'azote, et ça doit favoriser vraiment la pousse en vert. Voilà. Une fois que c'est fait, je rajoute un peu de terreau. Je vais garder, donc là c'est du semis direct en pot qu'on va faire, donc je vais garder quand même une bonne réservation pour que, une fois que les graines auront levé, ouais, je puisse mettre du paillage sur le dessus. Par dessus, ouais. Voilà, ouais. Pour que ça évite de trop sécher. Donc juste avant les graines, je remets là cette fois-ci une petite couche de terreau fin. Oui, elles sont plus à l'aise là-dedans, hein, voilà, pour démarrer. Ouais. Ça sera mieux pour démarrer. Et en dessous, on a plus le terreau de pousse. On aurait pu faire aussi ce semis-là dans des godets ou dans des terrines et puis les repiquer directement. Là, on fait un peu notre feignant. On sème, ouais, directement. Puis il fait bon, donc ça leur ira d'être dans le bac. Ouais. Et puis, voilà, je ne suis pas à court de graines avec ce que j'ai récolté. Donc du coup, c'est pas compliqué. Et puis là, voilà, je vais faire ça. Pas la peine d'en mettre de trop, parce que ça va germer.
Et puis du coup, une fois que c'est là, alors le terreau, on le voit là, il est frais. Hein. Ouais, ouais. Il n'est pas trempé, il n'est pas sec, il est frais. Je vais remettre du terreau fin par-dessus. Voilà, un petit peu, pas trop. Juste de quoi tasser par-dessus. Voilà, on va l'arroser. Et puis, je ne vais pas le laisser en plein soleil. Moi, je vais le mettre à l'ombre pour que la fraîcheur reste plus longtemps et que ça prenne le temps de lever. Une fois que ça sera levé, que ça fera, on va dire, une dizaine de centimètres, délicatement, je vais remettre du broyage de bois que j'ai autour pour faire le paillage, éviter que la plante ne sèche, que le pot ne sèche de trop. Et après, progressivement, je le sortirai dehors pour être en plein soleil. Il est en pot, il aura son goutte à goutte. Et puis après, cet automne, je le coupe pour la feuille. Tac. Il y aura encore 10 000 choses à vous montrer, mais après la vidéo va être super longue. En tout cas, je suis contente d'avoir fait cette première vidéo dans le jardin 2 avec Arnaud, parce que c'est venu comme ça, l'idée est venue comme ça, là elle vient de naître. Vous l'avez toute fraîche. Et dites-moi si ça vous a plu, si ça vous intéresse de temps en temps. Peut-être qu'on se fasse une petite vidéo dans le jardin de quelqu'un pour avoir les conseils et tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire pareil, mais en tout cas, ça peut être un partage d'expérience et de voir aussi des jardins différents, des potagers différents, pourquoi pas du jardin ornemental aussi. Voilà, moi, ça m'a fait hyper plaisir et punaise, qu'est-ce que je suis inspirée là. Je rentre, je me remets au potager. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et tout, parce que moi, ça me plairait énormément de faire plus ce genre de vidéos, ce genre de partage. Pourquoi pas même chez l'un d'entre vous, si vous avez un jardin assez intéressant et que vous avez envie de partager des choses que vous faites, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo à 17h.